N'est-ce pas, monsieur le député de Chambly? Monsieur le Président, les réponses de la ministre de l'Éducation sont étonnantes. Elle va à un petit déjeuner un lundi matin, il y a 15-20 personnes, et elle ne se renseigne pas. Elle ne se renseigne pas avec qui elle va prendre le petit déjeuner. Monsieur le Président, Domenico Arcuri est une personne liée à la mafia et c'est connu depuis 2005. Il a été lié au scandale Montreal. Il a été lié au scandale North Shield. Je vais déposer, Monsieur le Président, des articles de presse, dont un de décembre 2005, qui nous rappelle les liens entre Monsieur Arcuri et Monsieur le Président, et la mafia. Plus que ça, Monsieur le Président, l'attaché politique de la ministre, M. Gilles de Geer, est un policier d'expérience, de 30 ans d'expérience. Alors, je m'excuse, mais la ministre ne peut plaider l'ignorance, M. le Président. La question, c'est pas de savoir si la ministre a été prudente ou pas, si elle leur ferait ou pas, c'est pourquoi elle s'est assise avec M. Arcuri, lié à la mafia. Consentement pour le dépôt. Consentement. Monsieur le ministre délégué aux Finances. Monsieur le Président, est-ce que le Parti québécois s'est informé, à savoir lorsque M. Arcuri, c'est le même, M. Domenico Arcuri, a donné au Parti québécois à deux reprises, en 2004 et 2005, trois versements qui totalisent 1 000 $. Est-ce que le Parti québécois a dénoncé depuis ce temps-là? Quand est-ce qu'ils ont appris que M. Arcuri avait fait un don au Parti québécois? Est-ce qu'ils l'ont appris ce matin ou lorsqu'ils l'auraient appris dans le passé? Ont-ils agi à cet égard-là? On rencontre un tas de gens, M. le Président, en politique, dans différentes circonstances, on serre des mains, et je ne commencerai pas à imaginer que toutes les personnes qui serrent la main ou qui rencontreraient directement ou indirectement le député de Chicoutimi ou tout autre député, ou le député de Charlevoix, vont faire un test d'ADN ou une enquête sur chaque personne qui va leur serrer la main. On ne commencera pas à jouer à ces allégations-là. L'important, c'est que la loi s'applique. L'important, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le certificat d'autorisation qui a été donné et le financement des partis politiques. Et l'important, encore une fois, M. le Président, c'est de ne pas parler de oui-dire d'allégations, mais de faire en sorte que les gens qui commettent des fautes soient condamnés, mais que les gens qui, démocratiquement, honnêtement, font un don au parti politique soient respectés.